Je ne vois plus d'autres motions. Nous allons donc passer maintenant à la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre suppléant. Et donc, je me demande pourquoi la Première ministre continue de défendre ces rémunérations excessives qui vont être attribuées au PDG de nombre de sociétés, y compris Hydro One, par exemple. C'est très difficile de trouver une société dans toute l'Amérique du Nord qui paierait un salaire analogue à quelques membres de sa haute direction. Pourquoi est-ce qu'il continue à défendre ces mesures? Merci, la Première ministre suppléante. Je suis très, très heureuse que le chef de l'opposition soit ici et nous poser des questions, mais j'aurais aimé qu'il nous pose des questions concernant les infrastructures que nous construirons grâce aux recettes réalisées lors de la vente de Hydro One. Intervention du président, à l'ordre s'il vous plaît. J'aimerais pouvoir entendre la question et la réponse s'il vous plaît. Terminez s'il vous plaît. Alors, il ne nous parle pas de la construction d'infrastructures, d'hôpitaux. Il ne nous demande pas ce que nous allons faire pour étendre l'accès au gaz naturel dans toute la province. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, à l'ordre. Et si vous continuez à crier, je vais commencer à vous avertir. Merci. Continuez. De ce côté de la Chambre, nous avons un plan pour construire l'infrastructure dont a besoin cette province. Et de l'autre côté de la Chambre, ils sont très bons pour critiquer, mais en fait, ils n'ont pas de projet de construction d'infrastructure. Merci. Complémentaire. Alors, encore une fois, la Première ministre suppléante. Alors, c'est très intéressant ce que vous nous dites, parce que votre projet ne consiste qu'à vendre au rabais nos actifs provinciaux. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner un point de comparaison sur le continent nord-américain? Parce que, en fait, il n'y en a pas. Je peux vous dire que dans toutes les autres provinces, il n'y a pas de salaire comparable versé au PDG de ces compagnies d'électricité. Au Québec, c'est en fait un huitième de ce salaire qui est versé. Alors, quelle est la justification, la raison d'être de ce salaire excessif à hauteur de 4 millions de dollars qui va être accordé à ce PDG? Justifiez, s'il vous plaît, ce salaire. Ne tournez pas autour du pot. Rasseyez-vous, s'il vous plaît, rasseyez-vous. La Première ministre suppléante, plutôt la vice-première ministre. Alors, c'est un problème qu'il pose cette question parce qu'en réalité, nous voulons rendre cette société plus efficace, nous voulons continuer à améliorer le service à la clientèle, nous voulons améliorer les choses pour les contribuables et nous allons continuer dans ce sens. Il va y avoir 40% des parts qui vont être vendues et en réalité la rémunération dont il parle correspond bel et bien à celle qui est accordée au PDG d'autres sociétés d'électricité. Donc, nous voulons que Hydro One soit renforcé et plus efficace. Merci. Complémentaire. Final. Alors, vous dites que c'est comparable à la situation d'autres compagnies d'électricité, mais ce n'est pas le cas en Ontario. Malheureusement, il y a une solution de pauvreté et de pénurie dans le secteur énergétique. Les gens doivent choisir entre se nourrir et se chauffer, malheureusement. Et pendant ce temps-là, eh bien, nous avons un gouvernement qui continue de tourner le dos aux Ontariens et de ne pas se consacrer à leurs intérêts. Et pendant ce temps-là, ils trouvent assez d'argent pour payer 4 millions de dollars en rémunération au PDG. Comment pouvez-vous donc justifier ce salaire? Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. La vice-première ministre. Oui, je crois que le député d'en face sait très bien, ou bien il devrait le savoir en tout cas, que nous avons en fait des programmes de soutien des Ontariens à revenus bas, justement. Ceux qui ont des revenus faibles peuvent compter sur l'aide du gouvernement pour les aider à payer leurs factures d'électricité. Nous avons de nombreux exemples de bénéficiaires de ce programme. POARFE, par exemple, c'est un nouveau programme. Et j'espère vraiment qu'il est en train de pousser ses commettants à participer à ce programme POARFE. Ce serait vraiment très bénéfique à ces commettants, ce qui leur permettrait, par exemple, d'économiser
jusqu'à 350 $ par an sur leur facture d'électricité ou 430 lorsque l'on combine cela avec la redevance de liquidation de la dette qui va être supprimée. J'espère que les Ontariens savent quels sont les programmes qui sont disponibles pour eux. Merci. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la Première ministre suppléante. Alors, le gouvernement sait très bien qu'il y a plus de 200 000 personnes âgées qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres démences connexes. Et malheureusement, il n'y a pas de plan en la matière, malgré cela, de la part du gouvernement. Il y a 4 puces sur le document du gouvernement et la deuxième puce dit tout simplement qu'ils vont investir davantage dans les foyers de soins de longue durée. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui est en train de se produire. Il n'y a que 6 établissements à l'heure actuelle qui existent. Et donc, c'est vraiment bien dommage que le gouvernement n'ait pas encore agi en la matière. Quand est-ce qu'il y aura un projet d'action en la matière? Merci. La ministre associée de la Santé. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais commencer par dire que la province a d'ores et déjà un plan dans ce domaine. Il y a déjà une stratégie provinciale pour examiner justement la situation en matière de démence. Il y a un groupe d'experts qui a été mis en place et il est en pleine consultation. Et Indira Naidoo Harris est également en train de se pencher sur la question avec ce comité d'experts. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir lui dire quels sont les investissements que nous avons faits en matière de soins de longue durée dans ce domaine. Je me suis rendue à Waterloo, par exemple, récemment. Il y a eu l'inauguration d'une nouvelle maison de soins de longue durée. Je me suis également rendue à Windsor pour la même raison. Je peux vous dire qu'il y a de nombreux foyers de soins de longue durée qui sont en train d'être ouverts à l'heure actuelle. Merci, complémentaire. Encore une fois, ceci s'adresse à la Première ministre suppléante. Et encore une fois, j'aimerais vraiment que la réponse s'adresse aux personnes qui n'ont pas assez de soins pour leurs proches. Alors, je peux vous dire qu'il y a eu une stratégie en matière de maladie d'Alzheimer qui a été justement présentée par mon parti alors qu'il était au pouvoir en 1999. C'était la première stratégie de ce genre. Et en fait, c'est justement un programme qui a été loué par le rapport de la Société d'Alzheimer en 2010. Donc, c'est vraiment tout à fait important de souligner que la Société de la maladie d'Alzheimer a accusé le gouvernement de ne pas avoir de cœur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe. Est-ce que le gouvernement va enfin s'atteler à cette tâche concernant le traitement de la maladie d'Alzheimer et la mise en place d'une stratégie? Merci, la ministre associée de la Santé. Merci beaucoup. Je suis sûre que le chef de l'opposition aimerait ajouter encore bien d'autres choses, mais en fait, nous avons déjà commencé à mettre en place une stratégie au niveau provincial pour nous atteler aux problèmes causés par cette maladie. Et nous avons investi dans les soins à domicile et non seulement dans les soins en foyer. Les soins en milieu communautaire nous préoccupent également parce que nous savons que ces personnes vivent également dans leurs collectivités respectives. Donc nous voulons continuer à nous préoccuper de cette problématique, non seulement en Ontario, mais dans le monde entier. Ces problèmes liés à cette maladie se font sentir. C'est pourquoi nous avons pris des mesures à cet effet et nous avons justement un panel d'experts qui a été mis en place et attendons donc les recommandations de ce panel d'experts. Merci. Complémentaire final, ou plutôt complémentaire. Arrêtez de me parler de ces panels d'experts. Vous avez eu 12 ans pour agir. Le dernier rapport a expiré il y a plus de 10 ans déjà et je peux vous dire que les gens se sont entretenus avec moi de leurs problèmes, du fait que malheureusement les gens ne reçoivent pas assez de soins. Et je peux vous dire que ma grand-mère maternelle est morte de cette maladie. J'ai une expérience vraiment en direct de cette maladie et de ses ravages. Alors, Donna Kingsfield, qui est votre députée, a demandé plusieurs fois à cette Assemblée d'agir. Et je peux vous dire que il y avait des problèmes moraux et éthiques parce que les arguments moraux et éthiques, justement, étaient tout à fait clairs. Il fallait agir. Pourquoi est-ce que vous continuez de parler à tort et à travers au lieu d'agir? Faites de l'Ontario un leader en la matière. Merci. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. La sous-ministre, ou plutôt la ministre associée de la Santé. D'accord. Donc, je vais passer la question au ministre de la Santé.
Merci, Monsieur le Président. Et je sais que c'est le travail de l'opposition officielle de donner l'impression qu'on fait rien. Mais le fait qu'on a du leadership, on donne le financement aux partenaires communautaires, la Société d'Alzheimer et autres. On travaille à l'échelle nationale avec les leaders communautaires et autres. Et à l'automne dernier, on a développé la stratégie pour les démences. Et il y a une bonne stratégie à travers le pays. Et donc, je travaille. On a aussi mon adjointe parlementaire, la députée de Halton, qui fait un bon travail. On fait des consultations avec les partis intéressés. Et on a investi $1 milliard dans la stratégie de vieillissement à la maison, vieillissement chez soi depuis 2011. Et on a donné beaucoup de soutien au comportement. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Il fait plus froid et il y a des familles qui utilisent l'électricité pour chauffer ici en Ontario et qui veulent rester avoir assez chaud. Il y aura des taux plus élevés, des tarifs d'électricité qui auront un impact très, très mauvais, soit ici ou à Sudbury. Est-ce que la vice-première ministre, au nom du gouvernement, promet aux Ontariens que la vente d'Hydro-One ne veut pas dire qu'il y aura des factures d'électricité très élevées pour les familles ontariennes? La vice-première ministre, merci. Et la députée d'en face a soulevé une question qui nous préoccupe beaucoup. C'est la question des prix de l'électricité, des tarifs. C'est pourquoi on a passé à des mesures sans avoir l'appui des deux partis d'opposition. On a voulu réduire les tarifs d'électricité pour les plus démunis. Voyons ce qu'on a fait. On a pris la décision et c'est une décision qui a été célébrée par l'ancien premier ministre pendant la dernière élection, comme il l'avait fait, de fermer les centrales au charbon. Il y a un coût, mais il y a beaucoup d'avantages et tous les gens ici comprennent les avantages d'une meilleure santé suite à la fermeture des centrales au charbon. Et on aide les familles, on enlève la dette de resquition de la taille et qu'on a réduit et qu'on a la redevance liquidation de la dette. Merci. Question complémentaire. Les tarifs augmentent de 25% entre l'hiver dernier et cet hiver. Peu importe quel est votre revenu, ça touche tout le monde. Les factures, tout le monde demande. Les familles ontariennes ont peur que la vente d'Hydro-One va dire que les tarifs vont encore augmenter. Et le gouvernement a déposé des mesures législatives qui pourraient arrêter les groupes indépendants de consommateurs de lutter contre les tarifs plus élevés. Le gouvernement rend la ville plus chère pour les familles en aidant en même temps ses amis. Est-ce que la vice-première ministre va dire combien ça va coûter à la population de chauffer leur maison suite à la vente d'Hydro-One? La vice-première ministre, continuons avec certains des programmes qui sont en place et le programme de soutien pour l'électricité. Et je vais encourager tous les députés à informer de leurs concitoyens. Les familles à faible revenu vont avoir de l'aide et les rabais s'appliquent à la facture d'électricité. On a aussi le crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et les impôts fonciers avec une épargne de 1111 pour les aînés ou 993 pour des gens. Le programme d'aide aux impayés d'énergie, c'est un programme qui peut aider. Il y a aussi le programme d'énergie, économie, aide au logement. Et il y a bien sûr le crédit du nord de l'Ontario va aider les gens du nord en particulier. $143 jusqu'à $221 par ménage, par famille. Question complémentaire finale. Vous savez, ce gouvernement libéral dit que les tarifs d'électricité, ce n'est pas leur responsabilité, mais ils adoptent de nouvelles mesures qui pourraient arrêter des groupes de consommateurs de comparaître devant la Commission de l'énergie de l'Ontario et de lutter pour avoir des tarifs
juste. Les nouveaux propriétaires d'Hydro-Anne peuvent demander toute augmentation des tarifs d'électricité sans protection pour les consommateurs. Est-ce que cette vice-première ministre va dire aux Ontariens pourquoi ce gouvernement impose le bâillon à des voix indépendantes qui veulent défendre les consommateurs et défendre des tarifs d'électricité moins élevés? Le ministre des Finances. Hydro-One n'a pas le pouvoir d'établir les tarifs d'électricité. C'est encore la Commission de l'énergie de l'Ontario indépendante. Le gouvernement a déposé des mesures législatives pour renforcer et améliorer les obligations de la Commission pour protéger les consommateurs et avoir une plus grande transparence. Voici certains exemples. En 2001, l'OPG a demandé à avoir une augmentation. Ils ont été réduits. En 2011 aussi. Excusez-moi. Deuxième fois, le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. Veuillez terminer. On a dit que les consommateurs qui comparent devant la Commission ont le droit d'avoir des tarifs justes. Nouvelle question. Ma prochaine question s'adresse à la première ministre suppléante. La Commission de l'énergie de l'Ontario devient plus forte, mais les consommateurs d'énergie deviennent plus faibles. Est-ce que la vice-première ministre peut dire pourquoi le gouvernement libéral ne va pas dire qu'il ne va pas vendre d'autres actifs? Réponse la vice-première ministre. Je reconnais que la chef du troisième parti pose des questions depuis longtemps sur cette question. On a été très transparent. Quant à notre détermination d'élargir la propriété d'Hydro-One pour avoir plus de recettes pour payer de l'infrastructure et inclure dans sa collectivité de Hamilton. Nous avons des actifs. Nous optimisons la valeur de ces actifs, de ces biens publics. Il y a de l'immobilier qu'on n'utilise pas. Il y a aussi les parts chez GM qu'on va vendre. Question complémentaire. Je n'ai pas entendu une réponse claire. Les libéraux ne sont pas prêts à dire qu'ils ne vont pas vendre d'autres biens publics. Ils vendent des biens publics qui font de l'argent. Et ça, c'est une question qui est sous la table. Est-ce que cette vice-première ministre va dire ce que eux, les libéraux de l'Ontario, sont prêts à vendre aux enchères? La vice-première ministre, on a été très ouvert et transparent. Ce plan était dans notre budget de 2014, l'énoncé économique de l'automne, le programme électoral, et on a dit, on a regardé le siège social de la LCBO, Hydro-One, Letter Seaton, mais on ne veut pas vendre la régie des alcools ou OPG. On va pas vendre les stations de création d'électricité de Niagara Falls, ni Darlington ou Pickery. Mais ce qu'on va investir, c'est l'infrastructure de la province dont elle a besoin. Et nous sommes déterminés à le faire. On va prendre les décisions difficiles afin qu'on puisse avoir de l'infrastructure pour la population de la province. Question complémentaire finale. En octobre, la première ministre de cette province a dit à peu près la même chose. Et voilà où on en sommes. Excusez-moi si je n'ai pas de confiance dans ce que cette députée vient de dire. La vente libérale d'Hydro-One est vraiment tout engagée. Et le directeur de la responsabilité financière a dit que c'est une mauvaise chose. Le gouvernement n'a pas d'argent et on va la province de l'Ontario va vendre un demi-milliard de dollars. Et le gouvernement ne peut pas renier que les tarifs vont augmenter. Quand est-ce que ce gouvernement libéral va apprendre de son échec et va arrêter toute vente d'Hydro-One et va donner un engagement à ne pas vendre d'autres biens publics qui génèrent des recettes? Le ministre des Finances,
La députée d'en face a mentionné une situation qui n'est pas un fait. Elle dit qu'on va avoir 1,4 milliard de dollars d'appréciation de l'immobilisation. On a déjà 3 milliards pour réinvestir dans les communautés, l'économie, pour avoir plus de bonnes occasions. Nous sommes encore propriétaires de 84% de la compagnie qui a une valeur augmentée. C'est une bonne chose. C'est de bonnes occasions, plus de prospérité pour les Ontariens. En même temps, cet indépendant est suivi par la Commission pour assurer que les tarifs d'électricité ne montent pas. Et donc, tout cet argent est réinvesti dans l'économie pour la population ontarienne. Merci. Une nouvelle question, le député de Leeds-Grenville. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. On veut avoir un impôt de transfert des terres de 10 000 $ et il dit qu'il veut aider les communautés, les municipalités plutôt, mais il y a beaucoup de maires qui disent qu'ils sont contre. S'il écoutait, il saurait que l'Ontario serait l'endroit le moins concurrentiel en Amérique du Nord où acheter une maison. C'est des mauvaises nouvelles pour un secteur où on crée beaucoup d'emplois et qui mène l'investissement dans nos collectivités. Est-ce que le ministre est d'accord qu'un impôt de transfert municipal va ralentir l'économie en ralentissant la vente des maisons? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci. Je veux commencer ma réponse en rappelant aux députés d'en face que c'était le gouvernement conservateur précédent qui a donné un fardeau aux 444 municipalités de l'Ontario en délestant, sans donnant toute autre ressource, 3,2 milliards de dollars de services. Le député de Simcoe Gray. Alors, s'il vous plaît, veuillez terminer, s'il vous plaît. On a touché un nerf, là. On faut de notre mieux pour renverser cette méthode de délestage de services. Mais après chaque élection municipale, on revoit la loi sur les élections municipales. Et s'il n'y a pas un secret, un des problèmes que les municipalités ont, c'est du côté des recettes. Et donc, on a des discussions avec les municipalités, on n'a pas pris de décision, et c'est la même chose. Question complémentaire. Monsieur le Président, le porte-parole du ministre n'a pas écrit les nôtres. Et il a dit au Mrs. Arganus que l'impôt de son patron résulterait qu'on vendrait moins de maisons. Le ministre ne regarde pas. Peut-être qu'il va écouter l'autre Steve Clark. Voici ce que Steve Clark, le maire d'Orolia, a dit sur cet impôt. Ça pourrait toucher le développement économique de façon négative. Ça pourrait empêcher que quelqu'un qui veut acheter une maison, des terres ou une entreprise. Steve Clark a raison, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre prend le conseil du maire Clark et va appuyer ma motion du 3 décembre pour fermer cette échappatoire, fermer la porte sur cette taxe-là? Réponse du ministre. Il y en a plus que des crazy de l'autre côté et plus de nerfs. L'Ontario ne va pas imposer de nouvelles taxes. Et non plus l'imposition fiscale sur le transfert des terres. Nous pensons que les municipalités sont assez mûres et qu'ils recherchent de nouvelles recettes. On a des consultations, mais c'est une honte aux députés d'en face, vu le bilan du Parti conservateur, d'augmenter la rhétorique là-dessus quand ils savaient que les 3,2 milliards de dollars de délestage des services a mis les municipalités dans la mauvaise situation. Nouvelle question à la députée de Welland, à la présidente du Trésor, du Conseil du Trésor. La semaine dernière, ces libéraux progressistes ont déposé un projet de loi qui aide les initiés et les amis en
libérant Ellis Dunn de l'obligation d'embaucher des syndiqués à l'échelle de la province. Étrangement, ce gouvernement dépose un projet de loi que les conservateurs avaient déposé avant et que la première ministre avait critiqué jusqu'à récemment. Est-ce que on peut m'expliquer qui on a consulté et qu'on explique au gouvernement, aux travailleurs, pourquoi vous avez ce projet de loi à Ellis Dunn? Le ministre du Travail. Merci. Merci à la députée de cette question. J'avais anticipé. Ce qu'on fait avec ces mesures législatives, on donne l'autorité au gouvernement de faire des changements pour adopter un accord auquel on est arrivé avec l'arbitre. C'est un processus qui est passé par la commission des relations de travail et devant les tribunaux. Plus tard, on n'aura pas un cas où un côté a tout ce qu'il veut et pas l'autre côté. Ce qu'on propose dans les règlements, c'est d'assurer que les deux côtés soient traités de façon juste. On a eu un des meilleurs arbitres au pays qui travaille sur ce dossier. Il a rencontré toutes les parties intéressées. Il m'a donné des recommandations que je vais donner en chambre plus tard. Et ça va résulter dans des résolutions des différends bien plus justes. Question complémentaire? Je dirais 1% aura de bons résultats dans cette entente. Il y a deux cours d'appel, n'oublions pas, a maintenu l'accord de 60 qui existe depuis 60 ans et ce gouvernement légifie des changements. Et il y a un problème, et il y a quelqu'un qui fait des dons au Parti libéral. Et peu importe la commission des relations de travail et l'opinion publique. Est-ce que la vice-première ministre peut dire pourquoi est-ce qu'on donne des mesures législatives pour aider quelqu'un qui a fait un grand don? Réponse du ministre. Merci. À chaque occasion, moi personnellement et les députés de les gens de mon personnel, on essaie de faciliter un accord qui serait accepté par tous les partis. Les négociateurs se sont réunis pendant la fin de semaine. Ils ont essayé de ratifier. Un groupe l'a eu ratifié et pas l'autre. À la fin de cela, on les a réunis encore une fois. On les a demandé de voir si ils pouvaient arriver à une entente. Ils voulaient arriver à une bonne entente. En dépit des meilleurs efforts, on n'a pas pu avoir un accord. Et le médiateur m'a demandé à avoir des mesures législatives et c'est ce qu'on a fait. Merci. Nouvelle question, la députée de York-Sud-Ouest. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Formation des collèges et des universités. Monsieur le ministre, beaucoup de jeunes dans ma circonscription de York-Sud-Ouest disent que c'est tout un défi de se préparer pour le marché du travail. Souvent, j'entends qu'ils n'ont pas les aptitudes nécessaires à trouver de bons emplois. C'est en particulier le cas pour des jeunes qui ont plusieurs obstacles à l'emploi et résultent de soit des situations de vie difficiles. Et je comprends que le ministre récemment a annoncé le lancement d'un nouveau programme d'emploi pour les jeunes, Lien Jeunesse. Est-ce que le ministre peut nous informer comment les jeunes les plus vulnérables peuvent avoir accès à la formation pour se trouver un bon emploi? Merci. Le ministre de la Formation et des collèges et universités. Merci. Je veux remercier la députée de York-Sud-Ouest de cette question. J'étais très fier d'annoncer le mois dernier de ce nouveau programme Lien Jeunesse qui appuie la jeunesse qui a un grand défi à se trouver un emploi. Et je suis très fier de dire que notre gouvernement investit plus que 160 millions de dollars sur 2 ans pour aider 27 000 jeunes en Ontario pour avoir accès à des services de formation et d'emploi. Ce service sera donné à plus de 130 centres d'emploi et de services Ontario et qui aura
un élément à l'échelle de l'année pour aider les jeunes de 15 à 29 ans et un volet été pour les étudiants pendant l'été, pour qu'ils se trouvent de l'emploi à temps partiel. On va faire tout ce qu'on peut pour aider les jeunes. Merci. Question complémentaire. Merci. Et merci au ministre pour sa réponse. Tous les Ontariens, peu importe leur histoire ou leurs circonstances, doivent avoir accès au programme d'emploi et de formation qui leur donne les aptitudes nécessaires. C'est excellent qu'un tel programme va fournir de l'appui pour les jeunes d'avoir accès au marché du travail. Je comprends que ce programme fait partie de notre réinvestissement de 250 millions de dollars pour renouveler les stratégies d'emploi chez les jeunes. Et cela va appuyer plusieurs programmes. Beaucoup de mes commettants veulent savoir davantage en ce qui concerne les autres programmes d'emploi qui seront disponibles aux jeunes. Est-ce que le ministre peut nous informer quant aux programmes disponibles qui font partie de cette stratégie? Merci. Le ministre. J'aimerais remercier la députée pour sa question. Elle a tout à fait raison. Ce programme fait partie d'un éventail de programmes qui vont desservir les jeunes de façon plus efficace à l'échelle de la province. Ce programme, qui sera lancé le printemps de l'année suivante, est un programme qui va aider aux jeunes qui affrontent des obstacles à l'emploi. Je suis fier de dire que chaque fournisseur de services à l'échelle de la province fait partie du réseau et va fournir ce programme. Nous faisons aussi un investissement de 25 millions de dollars en services d'emploi pour aider aux employeurs de fournir la formation et de fournir des stages. Les jeunes de la province et les employeurs de la province seront mieux desservis et nous aurons plus que 30 programmes gouvernementaux pour aider aux jeunes de bâtir leurs compétences. Nouvelle question, député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Les Ontariens voient une nouvelle publicité qui vise à promouvoir le programme de la province. Le programme d'aide relative au foyer d'électricité est une façon de détourner l'attention des Ontariens. Ce n'est qu'une effort administrative et les libéraux engendrent du chaos. La vice-première ministre doit être au courant que chaque famille a besoin de l'appui en ce qui concerne leur facture d'électricité. Et donc, il nous faut avoir un virage en politique. Et le gouvernement actuel n'a pas une bonne orientation. Est-ce que la vice-première ministre va annoncer un changement en politique qui va appuyer les familles de l'Ontarien sur le plan de leur facture d'électricité? La vice-première ministre, c'est une surprise que le député d'en face ne dit pas que je suis très fier de voir l'élimination de la redevance de la liquidation de la dette, parce que cela sera enlevé des factures d'électricité deux années plus tôt que prévu et donc une économie de 70 $. Donc nous mettons l'accent sur les mêmes personnes dont vous avez parlé et donc nous parlons de ceux qui ont des factures d'électricité très élevées. Nous savons que les gens à faible revenu voient un fardeau plus important quant à leurs factures et comme je l'ai dit, j'espère que nous allons mettre de côté les ancrages politiques et que tous les députés feront en sorte que leurs commettants soient au courant du fait qu'il existe le programme d'Ontariens d'aide relative aux frais d'électricité. C'est une réduction importante pour les factures d'électricité et c'est visé pour les gens à faible revenu. C'est important que tous les députés soient au courant. Complémentaire. Ils aiment bien parler de leur gamme de programmes qui ne serait pas nécessaire s'ils avaient une bonne politique énergétique. C'est un autre jeu des libéraux. Donc, et nous aimerions avoir un nouveau programme pour avoir une séance de photos, mais finalement, on examine les détails, ce n'est qu'un jeu. À cause de ce programme d'aide, beaucoup de familles vulnérables n'auront pas l'aide nécessaire. Mais encore plus important, le paiement de 30 $ de ce programme n'est rien comparé aux centaines de dollars ajoutés à ces factures d'électricité.
et les centaines qui seront ajoutées au cours de la prochaine décennie. Est-ce que la Première ministre va tout simplement avouer que le programme d'aide relative aux frais d'électricité est plutôt une séance de prise de photos et plutôt une question de publicité, et ce n'est pas une façon d'aider les consommateurs à faible revenu? La vice-première ministre, peut-être les députés d'en face peuvent se moquer d'une réduction de 500 $ par an, mais c'est une réduction importante. C'était tout à fait intéressant lors de la dernière élection fédérale, lorsque le premier ministre et la ministre de l'Environnement ont parlé du progrès du pays en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre, en citant les changements en Ontario. Nous avons éliminé l'utilisation du charbon. Nous sommes fiers des décisions prises en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre et nous sommes fiers de nos améliorations à la qualité d'air. Nous sommes fiers de nos décisions pour construire un système énergétique fiable. Nous nous rappelons du mandat conservateur. Il ne faut pas y revenir. Nous avons fait des investissements. Nous n'avons pas besoin des pannes d'électricité. Nous avons un bon réseau d'électricité. Nouvelle question, député de Toronto, Danforth. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Les services publics municipaux font des paiements en taxes d'école au gouvernement. Cet argent est censé être utilisé pour payer le reliquat de la dette laissée par l'ancienne Ontario Hydro. En vertu de la loi actuelle, lorsque le reliquat sera payé, cet argent sera utilisé pour les municipalités. Mais maintenant, le gouvernement a décidé d'utiliser cet argent. Le projet de loi 144 modifie la loi pour que cet argent ne sera jamais donné aux municipalités, même après le reliquat de la dette. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne donne pas cet argent aux municipalités? La vice-première ministre, le ministre des Finances, merci. Ce paiement, comme à n'importe quelle autre agence, la majorité des sociétés de distribution sont propriétés municipales et il y a un certain montant qui est utilisé pour payer le reliquat de la dette, mais nous avons des milliards de dollars de plus pour payer ce reliquat. Nous optimisons nos investissements pour réinvestir dans l'infrastructure d'électricité pour donner un meilleur rendement aux Ontariens et à la fois pour payer la dette. Question complémentaire. À la première ministre suppléante, le reliquat de la dette doit être payé, mais en vendant Hydro One, le gouvernement augmente cette dette. Et donc, les entreprises sont forcées de payer 600 millions de dollars en redevance de liquidation de la dette. Et le gouvernement veut garder cet argent que, en vertu de loi, est censé être alloué aux municipalités et aux écoles après que le reliquat de la dette soit payé. Combien d'argent de plus est-ce que le gouvernement va prendre pour remplacer l'argent dépensé, perdu plutôt pour vendre à Hydro One? Le député d'en face aime bien citer le directeur de la responsabilité financière qui dit « À la suite de cette vente, nous serons en mesure d'avoir davantage de financement pour payer la dette. » Mais on n'est pas certain de ce que sera le reliquat de la dette parce que il y a de l'incertitude dans le processus. Nous enlevons la redevance de liquidation de la dette d'ici la fin de l'année et elle sera enlevée pour toutes les entreprises en avril 2018. Et donc, il y aura de la certitude, peu importe le reliquat de la dette. C'est très important pour les résidents, c'est très important pour les entreprises et c'est encore plus important pour nous de réinvestir ces fonds dans de nouvelles infrastructures. Nouvelle question, député de Trinity Spadina. Merci. Ma question s'adresse au ministre des services aux consommateurs. Je comprends que votre ministère s'occupe de la surveillance de Terrion, une autorité administrative qui gère les garanties domicile. Le ministère a annoncé récemment une étude de la loi afin d'améliorer la protection des consommateurs pour les acheteurs de maisons.
Je suis très content de voir le progrès de cette étude parce que les garanties domestiques sont très importantes chez moi. Trinity Spadina, c'est une région qui a beaucoup d'aménagements avec beaucoup de nouveaux domiciles. Donc, nous serons peut-être en mesure d'améliorer la couverture offerte aux ontariens. La loi sur les garanties domestiques ajoute aux étapes prises par le gouvernement pour améliorer la protection des garanties des domiciles. Le ministre. Merci. J'aimerais remercier le député de Trinity-Spadina et pour avoir été un militant dans ce domaine. Nous allons continuer de travailler avec Terrien pour améliorer le programme, mais parlons des améliorations déjà faites. Nous avons élaboré un registre des constructeurs qui donne aux consommateurs davantage de renseignements. Nous avons doublé le programme de garantie à 300 000 $. Nous avons lancé un nouveau programme de sensibilisation pour que les constructeurs soient conformes aux normes. Et nous avons enlevé beaucoup de constructeurs du conseil d'administration de Terrien. Il y a toujours du travail à faire. La loi sur les garanties des domiciles a déjà 40 ans et donc nous avons pris l'engagement d'étudier de façon indépendante les améliorations au projet de loi. Douglas Cunningham a pris l'engagement d'effectuer cette étude et j'ai hâte de voir cette étude. Merci. J'aimerais remercier le ministre pour son travail. Je lui ai parlé à plusieurs reprises après que mes commettants ont soulevé des préoccupations en ce qui concerne leurs garanties. Beaucoup de mes commettants ont été contents de l'étude menée par le juge Cunningham. L'achat d'un domicile est l'investissement le plus grand dans la vie de beaucoup de mes commettants. Cette étude va protéger cet investissement. Il y a beaucoup de potentiel dans cette étude, surtout son engagement de comparer les garanties à l'échelle du pays. Et il y aura aussi des consultations avec des acteurs du milieu et plusieurs autres parties prenantes. Je comprends que ce travail sera effectué au cours de 8 mois. Je sais que le ministre va devoir attendre jusqu'à l'étude soit terminée avant de modifier la loi. Mais quelles sont les attentes du ministre et comment est-ce que ces recommandations vont nous aider à améliorer Terrien? Le ministre. Au député de Trinity-Spadina, nous avons parlé que M. Cunningham mène cette étude de façon transparente en ayant des consultations chez toutes les parties prenantes. J'ai demandé que l'étude mette l'accent sur les façons d'améliorer la protection des consommateurs en ce qui concerne la couverture des garanties et aussi le processus de résolution de différends et le rôle du gouvernement au sein de Terrien. L'étude mettra l'accent sur la redevabilité, sur la surveillance de Terrien et des exigences en matière de divulgation des renseignements pour que nos programmes soient arrimés aux autres programmes du gouvernement. Terrien n'a plus une majorité sur le conseil d'administration, donc nous allons étudier la composition du conseil d'administration et l'autorité de prise de décision de l'autorité. J'ai hâte de voir le rapport du juge Cunningham. Nouvelle question, député de Kitchener-Conestoga. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Le ministre est au courant. Pendant longtemps, nous avons vu des patients qui viennent à Queen's Park pour demander au gouvernement de leur donner des médicaments très importants pour des maladies rares. Au cours de la dernière année, j'ai eu des familles qui me visitent et qui demandent l'aide du gouvernement. Beaucoup ont beaucoup de dettes à cause du manque de traitement. J'ai lancé une site web, treatraredisease.ca, là où les gens peuvent parler de la nécessité d'avoir cette aide en matière de ces maladies rares. Je vais déposer un projet de loi pour demander au gouvernement d'élaborer ou d'avoir plutôt un comité pour s'attaquer à ce problème des maladies rares. Est-ce que le ministre va appuyer ma motion pour avoir des solutions pour ceux qui souffrent des maladies rares? Le ministre de la Santé. Merci beaucoup. Je loue le député d'en face pour ce qu'il a fait. C'est jusqu'à 6 % de notre population, même 8 % de la population qui souffre des maladies rares.
et j'aimerais reconnaître le courage de ceux qui sont venus ici aujourd'hui pour raconter leurs histoires en ce qui concerne ces maladies rares, et y compris l'enjeu de notre système de soins de santé en matière de diagnostic. Mais c'est important que le public soit au courant qu'Ontario est chef de file à l'échelle du pays. Nous avons formé un comité pour élaborer une stratégie pour les maladies rares dans ce pays. Nous sommes aux avant-postes, nous présidons le programme et à la suite, il y aura des améliorations pour fournir les soins nécessaires à ces gens. Complémentaire. Oui, ce comité de tous les partis aurait des audiences des acteurs du milieu. Et donc, il y aura une discussion fructueuse. Vous êtes d'accord que les patients ont besoin d'un effort de la part du gouvernement? Ce comité va étudier les recommandations reçues par le gouvernement et donc il y aura des experts qui feront en sorte que les patients qui souffrent de ces maladies soient traités de façon équitable. J'espère que ce comité va amorcer ce processus qui n'a pas encore été commencé. Est-ce que le ministre va appuyer ma motion pour établir ce comité et pour financer le traitement de ces maladies rares? Oui ou non? Ministre de la Santé, j'ai hâte de voir le débat en ce qui concerne ce projet de loi. Mais même avant la conférence de presse de ce député, en ce qui concerne la maladie Ehlers-Danlos, nous avons formé un comité en gouvernement en ce qui concerne cette maladie. Il y aura des experts à l'échelle de la province et j'ai pris l'engagement, lorsque ces patients étaient à Queen's Park, j'ai pris l'engagement de les inviter de participer à ce panel pour que le panel puisse comprendre leurs circonstances particulières et leurs enjeux. Il y a deux semaines, j'étais avec ces familles et ces patients devant le panel d'experts en ce qui concerne cette maladie pour qu'on puisse écouter ces patients. Il faut que toutes les parties prenantes participent, les entreprises de médicaments comme Alexion, qui choisit de poursuivre en justice le gouvernement au lieu de collaborer avec nous pour fournir les médicaments nécessaires. Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Vendredi, nous avons appris que 84 emplois seront coupés dans les hôpitaux à Belleville, Trenton et Prince Edward County. Les libéraux font des compressions de 11 millions de dollars. Ça veut dire moins d'infirmières et moins de travailleurs de soins de santé pour s'occuper des patients dans les hôpitaux, dans les salles d'urgence et dans les centres de réadaptation. Lorsque les résidents sont malades, ils seront au courant de ces compressions parce que chaque travailleur a un rôle important pour sauver les vies. Quand est-ce que le gouvernement libéral va décider que les patients doivent être priorisés et quand est-ce qu'ils vont mettre fin aux compressions, aux services d'infirmières autorisés pour des travailleurs de soins de santé dans les hôpitaux de la province? Ministre de la Santé. Merci. Je sais que la chef du troisième parti part d'un processus qui a été amorcé par la société hôpitalière et qui comprend 4 hôpitaux. C'est un effort pour avoir des services durables quant à leur financement. Oui, il y a des licenciements et c'est dommage et c'est quelque chose que nous essayons d'éviter. Il y aura aussi certains changements là où certains rôles peuvent être assumés par d'autres employeurs, donc il y a un peu d'un virage, mais il y a aussi 78 autres postes qui seront créés à la suite de ce changement. Je travaille en étroite collaboration avec cette société en appuyant le Airlis. Donc, je travaille aussi avec les membres de son groupe parlementaire. Complémentaire. Les patients comprennent l'importance de ces travailleurs de soins de santé, mais j'aimerais bien que le personnel du gouvernement comprenne leur importance. Sous les libéraux, plus que 625 postes ont été coupés dans les hôpitaux de la province. Et il y aura davantage de compressions. Pensons-y de notre façon. Ça veut dire qu'au moins deux infirmières autorisées ont perdu leurs emplois.
emploi chaque jour depuis janvier et sous cette première ministre. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'assume pas sa responsabilité pour ces compressions aux soins des patients? Et pourquoi est-ce que le gouvernement n'ordonne pas une moratoire aux autres compressions en ce qui concerne ces travailleurs de soins de santé? Merci. Je sais que la chef met l'accent sur la perte d'emploi, mais ne se concentre pas sur les nouvelles, les nouveaux postes créés en Ontario. Je veux reconnaître le travail, l'excellent boulot fait par le personnel dans ces hôpitaux. Et nous savons très bien qu'un excellent effort pour que cette personne, cette collectivité, ait des services. Et par ce processus, nous avons maintenant en place un processus communautaire et ces personnels ont été consultés en matière de soins de santé dans cette collectivité. Et c'était l'initiative de la part du député de cette région. Nous allons faire une étude de faisabilité pour renforcer, concernant les besoins dans cette collectivité. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Un élément important de notre travail dans ma circonscription, c'est l'éducation. Dispenser excellente éducation. Je sais que la ministre de l'Éducation fait des efforts à cet égard. Le gouvernement de l'Ontario a signé un mémoire d'entente en 2009. Il est clair qu'on s'est engagé à avoir une collaboration et la création d'un système d'éducation et de ce protocole d'entente. Je comprends que la ministre, pour identifier les problèmes en éducation, et en 2014, et le gouvernement veut souhaiter avoir une entente d'éducation. Voulez-vous dire à la Chambre quelle est l'importance de participer à ce forum sur l'éducation? Merci, Monsieur le Président. Merci au député pour sa question, un élément important. Je vais commencer par dire les Premières Nations en Ontario et particulièrement l'histoire des Anishinaabek et ce cadre d'entente veut décrire, ou plutôt un index, les processus et les principes de négociation pour une entente cadre, et cela nous permet de collaborer et formaliser ce processus et ces partenariats. Et cette entente, lorsqu'elle sera complétée, va formaliser le gouvernement de l'Ontario et cette Première Nation. C'est grâce à cet effort pour qu'il y ait une meilleure coopération entre leurs écoles en Ontario et celles de l'Ontario. Et c'est l'endroit où se retrouvent le plus de ces élèves. Merci, M. le Président. Jeudi dernier, vous avez rencontré les Anishinaabe de Sault Ste. Marie. Vous avez signé cette entente et finalement, c'est un événement historique. Il est clair que votre engagement, celui du gouvernement et celui de la Première Nation pour avoir une entente pour appuyer les besoins d'éducation de cette nation. Et je suis fier de dire que ces élèves auront un meilleur accès à l'éducation en Ontario. Ministre, voulez-vous dire à la Chambre qu'est-ce que cette entente cadre signifiera à l'avenir? Oui, c'est une occasion où il y avait tous les chefs de l'Ontario qui ont signé cette entente cadre. Et pour eux, c'était une occasion historique qui nous donne l'occasion de collaborer entre nous. Si nous voulons nous assurer que les élèves Anishinaabe aient du succès, nous devons collaborer. Parfois, les élèves sont dans les écoles des Premières Nations et ailleurs en Ontario. Et ce que cette entente cadre formalisée sera en place sera d'appuyer les élèves et de partager le développement pédagogique
et d'élaborer davantage les ententes entre les districts scolaires ou les commissions scolaires ou les Premières Nations. Merci. Ma question s'adresse à la sécurité, ministre de la Sécurité communautaire et les agents correctionnels. Et il y a eu un coût pour ne pas avoir une entente pendant ce week-end. Les agents correctionnels n'ont pas fait de temps supplémentaire et finalement, les directeurs étaient... Et cela va coûter 600 000 $. En mai, on a attendu que la province a payé des milliers de dollars, des millions de dollars avant la négociation. Monsieur le Président, combien d'argent le gouvernement a dépensé à cause de l'échec du gouvernement de conclure une entente avec les agents correctionnels après une année de négociation? Ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, je voudrais remercier le député pour sa question. Je suis un peu inquiet de sa question. Je crois qu'il veut intervenir dans le processus de négociation en cours et je serai le premier à le voir venir m'en consulter. On doit respecter le processus de négociation en cours. Les deux parties font un excellent travail. On a été en mesure d'avoir une entente qui a été ratifiée avec la fonction publique aux tables centrales de négociation. Et pendant ce temps-là, la sécurité et des détenus et du personnel correctionnel est importante et que les services sont dispensés aux détenus par le biais du personnel complémentaire. Une fois de plus, j'encourage le gouvernement de négocier en bonne foi. Je ne crois pas que ce soit le cas, mais après la mauvaise gestion, il faut se poser des questions. Cela aura un impact sur les relations entre les agents correctionnels et la province. Le personnel a déposé des plaintes et a sonné la sonnette d'alarme. Et en retour, les agents correctionnels ont été ignorés. Pire encore, certains ont été de se taire. Les agents correctionnels et le personnel ne sont pas respectés par le personnel. Quand est-ce que votre ministère et vous allez vous montrer aux agents de probation ainsi qu'aux services, au personnel correctionnel, tout le respect qu'ils méritent? Merci. Je pense que la question est sérieuse, importante, qui a été posée, mais je voudrais donner également une réponse tout aussi sérieuse. Nous assumons notre responsabilité envers eux très au sérieux. Nous voulons nous assurer qu'ils ont une formation, qu'il y a suffisamment de personnel, parce que ce sont les premiers intervenants en matière de prestation de services pour les récidivistes et les détenus dans les centres. Nous avons travaillé fort depuis 2013 pour réembaucher de nouveaux agents de probation et de nouveaux agents correctionnels. Il y a maintenant plus d'agents correctionnels dans la province et nous continuons à faire de l'embauche. À ce moment-ci, il y a plus de 50 personnes qui reçoivent une formation dans un collège spécialisé. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Monsieur le Président, la semaine dernière, le groupe parlementaire libéral a admis que les libéraux et son plan pour le service GO dans ma région est inadéquat. Votre gouvernement avait promis un service il y a 5 ans. Et puis, il y a 18 mois, cette année, la première ministre est revenue sur sa décision. Il n'y aura pas de train GO entre Toronto et Kitchener avant 2016. Nous savons très bien l'importance de ce dossier. L'année dernière, l'ancien ministre Murray a dit que les services
entre Toronto. Il y aura un service dans les deux directions au jour le jour, aux 15 minutes. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Question toute simple. Quand est-ce que la population de Kitchener aura davantage de trains entre Toronto et Kitchener? Est-ce que ça prendra 5 ans, 10 ans ou plus? Ministre des Transports, Monsieur le Président, le seul regret, je ne pourrais pas avoir une deuxième question de cette députée. Je voudrais commencer en disant, en rendant hommage à la députée de Kitchener-Sound ainsi qu'à la députée de Cambridge pour leur défense de ce dossier, parce qu'elles comprennent très bien l'importance des décisions en matière d'infrastructure. C'est le type de question qu'elle pourrait demander à son chef. Ils ont déposé une motion. Elle a oublié de dire, dans son propre groupe parlementaire, comment la chef des néo-démocrates allait financer les infrastructures. La chef du troisième parti a oublié de dire son propre groupe parlementaire lequel de ses projets annulerait si elle pouvait le faire. Nous avons investi nous allons investir plus de 130 milliards en infrastructures pour la province, pour Kitchener. Intervention du président. Intervention du président. À l'ordre. Député de Chatham-Kent-Essex, rappel au règlement. Je voudrais souhaiter la bienvenue à l'Assemblée, le groupe d'étudiants du Grand Toronto. Bienvenue à Queen's Park. Député de Etobicoke-Lakeshore, rappel au règlement. Je voudrais souhaiter la bienvenue de Domenico Etobicoke-Lakeshore, la classe de cinquième année de l'école de cinquième année. Bienvenue à Queen's Park. Mise aux voix différées pour exiger la cessation de l'utilisation du charbon pour produire l'électricité dans les installations de l'Ontario. Pendule de 5 minutes.
I'll be finished with the proceeding shortly. Député, veuillez retourner à votre fauteuil. Le Tuesday, le 27, a proposé la troisième lecture du projet de loi. Tous ceux qui sont pour, levez-vous et attendez d'être nommés avant de vous rasseoir. Mr. Souza. Ms. Matthews. Ms. Matthews. Mr. Hoskins. Mr. Hoskins. Ms. Sandals. Ms. Sandals. Mr. Duggan. Mr. Duggan. Ms. McCharles. Ms. McCharles. Mr. Quinter. Mr. Quinter. Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Takar. Mr. Takar. Mr. Berardinetti. Mr. Berardinetti. Mr. Delaney. Mr. Delaney. Mr. Dillon. Mr. Dillon. Mr. Orazetti. Mr. Orazetti. Mr. Gravel. Mr. Gravel. Mr. McMeekin. Mr. McMeekin. Mr. Chan. Mr. Chan. Mr. Moridi. Mr. Moridi. Mr. Coteau. Mr. Coteau. Mr. Leal. Mr. Leal. Mr. Flynn. Mr. Flynn. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Mr. Quadri. Mr. Quadri. Mr. Balkison. Mr. Balkison. Ms. Albanese. Ms. Albanese. Ms. Manga. Ms. Manga. Mr. Kraft. Mr. Kraft. Ms. Hunter. Ms. Hunter. Mr. Sergio. Mr. Sergio. Ms. Jassa. Ms. Jassa. Mr. Del Duca. Mr. Del Duca. Ms. Domerla. Ms. Domerla. Ms. Wong. Ms. Wong. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Ballard. Mr. Ballard. Mr. Dong. Mr. Dong. Ms. Hogarth. Ms. Hogarth. Ms. Koala. Ms. Koala. Ms. Molly. Ms. Molly. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mrs. McGarry. Mrs. McGarry. Ms. McMahon. Ms. McMahon. Mr. Milchin. Mr. Milchin. Mr. Potts. Mr. Potts. Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Ms. Verniel. Ms. Verniel. Mr. Thibault. Mr. Thibault. Ms. Thompson. Ms. Thompson. Mr. Arna. Mr. Arna. Mr. Hardiman. Mr. Hardiman. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Ms. Jones. Ms. Jones. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mr. Yakubuski. Mr. Yakubuski. Mr. Miller Perry Sound Muskoka. Mr. Miller Perry Sound Muskoka. Mr. McNaughton. Mr. McNaughton. Ms. Scott. Ms. Scott. Mrs. Monroe. Mrs. Monroe. Mr. Urich. Mr. Urich. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Harris. Mr. Harris. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Climate change as we speak. Ms. Marteau. Ms. Marteau. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mr. Pettipies. Mr. Pettipies. Mr. Tabbins. Mr. Tabbins. Mr. Singh. Mr. Singh. Ms. Horvath. Ms. Horvath. Mr. Vantal. Mr. Vantal. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Ms. Sattler. Ms. Sattler. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Mr. Nadishaw. Mr. Nadishaw. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Ms. Fite. Ms. Fite. Ms. Forrester. Ms. Forrester. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Ms. Gretzky. Ms. Gretzky. Mr. Gates. Mr. Gates. They constantly, Rachel, not know how to do it. All those opposed, please rise one at a time. Be recognized. Tous ceux qui sont contre, levez-vous et attendrez d'être nommés avant de vous rasseoir. Les oui, 86, les non, 0. Étant donné que les oui sont 86 et les non, 0, je déclare la motion adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Et maintenant, le projet de loi est adopté tel que mentionné dans la motion. Ce n'est pas le processus pour interférer avec une mise aux voix. Et si quelqu'un utilise un commentaire non parlementaire, je vais demander à cette personne de le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, merci. Étant donné qu'il n'y a aucun autre point à l'ordre du jour, la Chambre reprendra ses travaux à 13 heures.